Le Grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT, tout de suite le sommaire. Hier avait lieu la mobilisation pour la défense des services publics et s'il y en a un qui ne fait pas exception, c'est bien le secteur de l'éducation. Quel état et quel constat pour ce domaine décrété priorité nationale? On en parle dans quelques instants avec nos invités. Alors que le passeport EDUCFI fait son entrée à l'école, apprendre à gérer son argent devient une question, y compris pour les plus jeunes. On en parle avec notre invité en seconde partie de cette émission. Enfin, vous retrouverez Malika Ménard, un souvenir d'écolier. Son invité cette semaine est le rugbyman Johan Huget. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité de l'éducation avec Loïc Landreau. Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. Michaël Paty demande réparation à l'État. La sœur de l'enseignant assassiné en octobre 2020 veut faire connaître l'inaction des pouvoirs publics. Elle souhaite faire condamner les manquements du collège, du rectorat et de la préfecture qui n'ont pas pris au sérieux les menaces contre son frère Samuel Paty. Auprès de nos confrères de France Info, son avocate a rappelé les différentes fautes commises par l'administration. D'abord, ce mensonge d'une collégienne de 13 ans qui avait affirmé que l'enseignant avait fait sortir les élèves musulmans de son cours pour projeter des caricatures de Charlie Hebdo. C'était faux, le collège le savait et n'a pas publiquement démenti la rumeur auprès des parents comme des élèves, ce qui a laissé planer un trouble autour de Samuel Paty. Puis le rectorat, qui au lieu de prendre des mesures de protection, a envoyé un référent laïcité qui a rappelé les obligations et a fait la leçon à l'enseignant sur le contenu de ses cours. Et enfin, les services de renseignement, qui n'ont pas mis Samuel Paty sous protection, alors même qu'ils avaient des preuves de menaces réelles, notamment venues des réseaux sociaux, une semaine avant l'attentat. Michael Paty demande également à l'État 21 000 euros qui seront reversés à des associations qui soutiennent la laïcité à l'école. Comme chaque année, l'Éducation nationale publie un classement des collèges et des lycées basé sur les résultats de l'année scolaire 2022-2023. Et déjà, une polémique. Est-ce que ces données sont toujours aussi pertinentes et intéressantes pour les parents comme pour les élèves? Je m'explique. Ces études se basent sur des critères objectifs, mesurables. Les taux de réussite au bac et au brevet, les taux de mention, la probabilité d'accès au bac depuis la seconde et sur la capacité des établissements à surpasser les attentes des académies et du ministère en termes de réussite. Or, depuis ce matin, beaucoup de voix s'élèvent pour dénoncer ces critères et soulignent qu'aujourd'hui, le bien-être des élèves est un élément totalement mis de côté alors qu'il est de plus en plus important pour les familles. Je vous propose d'écouter Marine Hilario qui est chef de rubrique lycée au magazine L'Étudiant pour qui le bien-être à l'école doit absolument être intégré dans ses classements pour l'avenir. Les classements hiérarchisent les établissements en fonction de leur capacité à faire progresser leurs élèves, les accompagner vers la réussite et les faire briller. L'accompagnement me semble d'ailleurs être un élément intéressant parce qu'il permet de voir les établissements qui conservent une même cohorte d'élèves de la seconde jusqu'au bac. C'est ce qu'on appelle dans notre classement l'indice de stabilité. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent être aussi intéressants à regarder pour trouver son lycée. Ce sont tous les éléments qui vont jouer sur le bien-être des lycéens. Par exemple, est-ce que vous n'avez pas trop de transport à faire tous les jours pour vous rendre au lycée ? Allez-vous devoir quitter tous vos amis pour aller au lycée et est-ce que cela vous convient? Est-ce que le climat scolaire semble apaisé dans l'établissement, etc. Les raisons qui vont vous attirer vers un établissement sont personnelles et seront différentes en fonction des élèves. Il ne faut pas oublier qu'un bon lycée, c'est avant tout un lycée qui correspond à vos attentes. Quoi qu'il en soit, ces classements vous donnent quand même un bon indicateur pour choisir le futur établissement de vos enfants. Vous trouverez d'ailleurs différents moteurs de recherche sur des sites de médias nationaux et régionaux comme L'Étudiant, France Info, BFM TV, Sud-Ouest, Nice Matin, etc. Il suffit de rentrer le nom du collège ou du lycée visé pour découvrir ces données de réussite. Sur un tout autre sujet, la ministre de la Culture souhaite fermer les écoles d'art qui, selon elle, sont en situation de crise. Certaines écoles d'art, effectivement, hier, Rachida Dati était auditionnée par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et elle a évoqué certaines écoles d'art territoriales en crise malgré l'engagement de l'État et elle a été claire. Il faut cesser avec la politique des bouts de ficelle parce que finalement, ça ne résout aucun problème de fond. Et c'est de l'argent public très mal dépensé. Je souhaiterais des écoles performantes avec les mêmes chances de réussite et la même ouverture à tous.
S'il faut fermer certaines écoles, car aujourd'hui, elles n'ont plus les mêmes moyens, les moyens d'offrir un cadre de qualité, peut-être que ça peut être le cas. Voilà, Rachida Dati n'a pas ciblé d'école en particulier, mais elle a précisé que des évaluations étaient en cours. Elle est également revenue sur le pass culture et souhaite le soutenir avec d'autres sources de financement que celles de l'État, notamment avec un nouveau fonds de dotation sur lequel elle est en train de travailler. Et on termine avec cette étude de l'INSEE sur la typologie des jobs étudiants. Une étude qui nous donne des informations sur la situation des jeunes début 2020 et elle nous dit que 26% des étudiants résidant en France occupent un emploi tout en faisant leurs études. Pour la majorité, c'est un job qui est en lien avec le contenu de la formation qu'ils suivent, mais pour 5% d'entre eux, il s'agit d'emplois de serveurs, de caissiers, de vendeurs, d'hôtes et d'hôtesses d'accueil, mais aussi d'assistants maternels et d'agents périscolaires. Cette enquête nous révèle également que les jeunes femmes sont davantage concernées par les emplois d'appoint, en plus de leurs études, le plus souvent en tant que caissières ou vendeuses. Évidemment, les jeunes qui peuvent davantage cumuler études et emplois sont ceux qui habitent proche des grandes villes, contrairement aux régions rurales qui manquent d'opportunités professionnelles, mais aussi où les problématiques liées au transport des jeunes sont plus importantes. Merci beaucoup Loïc. Du fric pour les services publics, c'est ce qu'on a pu entendre dans les villes de France hier à l'occasion de la mobilisation pour la défense des secteurs essentiels du pays, des secteurs comme celui de l'éducation, souvent à la traîne en termes de budget et de prise en charge des conditions de travail, jugent les syndicats. Alors quel est l'état des services publics de l'éducation aujourd'hui ? Eh bien, on en parle avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Marie Plat. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-coordinatrice de rapport sur l'état des services publics aux éditions de l'Équateur. Évidemment, on parle de santé, d'éducation, de transport, de justice. A-t-on laissé dépérir le service public ? Mais nous, on va s'intéresser plus précisément à l'éducation sur School TV. Pour cela aussi, on va accueillir Elisabeth Laitier par Skype. Bonjour. Bonjour. Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes rapporteur général de la concertation territoriale sur la mise en place du service public de la petite enfance. On va parler bien sûr de primaire et secondaire et aussi de petite enfance. Le préambule de la Constitution indique la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à la formation professionnelle et à la culture. Alors jugez-vous, Marie Plat, au regard de ce rapport que vous avez coécrit avec 99 autres co-rapporteurs, que ce droit aujourd'hui est assuré en France ? Tout d'abord, merci pour votre invitation et de nous recevoir ici. Je pense que la démarche qu'on a eue dans ce rapport, qui est assez nouvelle, elle a été de venir poser un regard différent sur les services publics, un regard qu'on est habitué à entendre sous l'angle des moyens, de moyens qui ont augmenté dans les décennies passées, et parallèlement, simultanément, un sentiment de dégradation de la qualité du service public rencontré par les usagers. Nous, on s'est demandé, face à ce paradoxe, qui avait raison ? Y a-t-il un égal accès ? Certains diront, mais nous mettons les moyens pour qu'il y ait un égal accès. Et d'autres diront, nous trouvons un accès dégradé et dont la dégradation va croissant. En réalité, ce qu'on a constaté, c'est que les deux parties avaient raison. Les moyens ont augmenté en valeur absolue. Et simultanément, les besoins de la population, leurs attentes, se sont transformés. Les besoins ont cru. On se déplace aujourd'hui 5 fois plus qu'il y a 60 ans. Il y avait un enfant sur quatre qui accédait au bac, en 1980. Ils sont aujourd'hui 4 sur 5. Cette transformation des attentes et des besoins de la société vient peser sur le service public, appelle une transformation de ce service public, des moyens associés qui ne sont aujourd'hui pas au rendez-vous. Et au regard de ce rapport justement et de ce que vous dites, des moyens qui augmentent et de la situation qui se dégrade, est-ce que vous comprenez du coup la colère du monde de l'éducation, des enseignants en particulier, qui revendiquent effectivement des salaires plus élevés, des conditions de travail différentes, une situation qui devient trop pénible ? Je pense que pour y revenir également, c'est important de rappeler d'où on parle. Nous, le collectif Nos Services Publics, on est un collectif d'agents, mais aussi qui rassemble des personnes qui sont préoccupées, intéressées par le service public, donc qui devrait a priori être quelque chose de très commun et de large. Nous sommes créés autour d'un sentiment
d'avoir choisi le service public, pour beaucoup par conviction, et de nous retrouver simultanément dans des positions où il ne nous est plus possible d'exercer correctement nos missions et d'offrir un service public aux usagers de qualité à la hauteur de leurs attentes. Et donc je pense que la mobilisation actuelle dans la communauté éducative, elle est très en cohérence avec ce qui a fondé notre collectif. Je pense à ce que disaient à la mobilisation en particulier en Seine-Saint-Denis, où les réclamations des enseignants, c'est des conditions de travail décentes, en fait. C'est des salles de classe où il fait ni trop chaud ni trop froid pendant l'hiver et l'été. Ça me semble être une demande tout à fait légitime. Le béaba, c'est ouais. Ça. Est-ce que vous partagez ce constat, pardon, Elisabeth Laitier, qui est avec nous par Skype? Vous êtes donc effectivement plus sur la petite enfance, mais on parle des services publics en général et de l'éducation en particulier. Je le dis, pour ceux qui nous regardent, vous avez été enseignante aussi de lettres classiques, il me semble, il y a quelques années. Donc vous connaissez bien ce secteur-là. Oui, ce que dit votre invité en plateau, non seulement est tout à fait juste et mesuré, voilà, mais j'allais dire correspond exactement à ce que nous vivons au niveau de la petite enfance. Voilà, c'est amusant, j'ai noté quelques termes qu'elle a utilisés et je peux tout aussi bien vous les donner. Alors on va revenir à la petite enfance, j'aimerais juste qu'on reparle effectivement de la situation qui est dramatique pour à la fois les familles, tout simplement, les enfants, les parents que nous sommes, de se dire est-ce que mon enfant aura un professeur l'année prochaine dans sa classe pour chaque matière, est-ce que les professeurs aussi vont avoir la force d'aller venir travailler, de se sentir respectés dans des conditions agréables. On l'a vu au niveau des salaires, la revalorisation moyenne de 11% des enseignants entre avril 2022 et janvier 2024, soit 258 euros net mensuels en plus. Emmanuel Macron a répondu, selon vous, à ces promesses de campagne. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous avez constaté par rapport à ces besoins de revalorisation salariale? Les camarades du collectif ont travaillé et ont publié une note très intéressante sur la rémunération des enseignants, qu'on a intitulée « Monter un escalator qui descend ». En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la rémunération des enseignants fonctionne par palier, par passage d'échelon, mais cette rémunération, elle est depuis les années 2000 sur un point d'indice qui n'est pas indexé sur l'inflation. Et donc, en réalité, à chaque palier franchi, au bout de 3 ans, l'inflation a repris le dessus et le gain de pouvoir d'achat est, pour ainsi dire, gommé, il s'est évanoui. Et donc, on est face à une situation où les propositions à coût de primes ne sont en réalité... fonctionnent comme des palliatifs, mais elles ne viennent pas résorber une situation qui poursuit cette dynamique d'escalator qui descend. On n'est pas en train d'enrayer et de transformer la dynamique avec des mesures de la sorte. Les conditions de travail aussi des enseignants sont beaucoup remises en question. On parle de conditions de travail par rapport à la violence, et vous en parlez dans ce rapport, je rappelle, rapport sur l'état des services publics, santé, éducation, transport, justice. A-t-on laissé dépérir le service public? C'est paru aux éditions de l'Équateur, c'est ça, je ne me trompe pas? Absolument. Voilà. On parle donc d'éducation prioritairement ici. On le voit, les conditions de travail, c'est à la fois le lien aussi entre élèves et enseignants, élèves et personnel d'éducation. Est-ce que ces liens-là ont changé? Quand on a essayé de caractériser l'évolution des besoins pour l'ensemble des services publics que nous avons étudiés dans ce premier rapport et qu'on étudiera dans d'autres secteurs de services publics dans un second, on s'est demandé quels étaient les besoins, comment on pouvait les approcher, comment on pouvait les caractériser. C'est une question qui est presque philosophique, en fait. C'est quoi un besoin de service public en sachant qu'il n'existe pas de service public par nature? Nous, on a regardé des faits sociaux qui démontraient, par exemple, l'évolution de la démographie des élèves qui vont jusqu'au bac. Ce que je vous citais tout à l'heure, le fait qu'un élève sur 4 avait le bac en 80 et qu'ils sont 4 sur 5 aujourd'hui. Et à partir de ça, on a essayé de comprendre comment s'étaient transformés les besoins. Et nous, les 3 besoins principaux qu'on a identifiés, le premier, il est que la massification scolaire porte ses promesses de démocratisation et donc
permettre réellement un accès aux mêmes opportunités, quelle que soit l'origine sociale. Je rappelle que la France fait partie des pays où l'origine sociale continue de peser le plus lourdement dans les trajectoires professionnelles et sociales. On va s'y attarder, justement. Oui, c'est un sujet. Le second besoin, à notre sens, il est que l'école soit un lieu de transmission des savoirs et pas simplement un lieu d'acquisition des fondamentaux. Mmh. Et le troisième point, et qui est aujourd'hui, à notre sens, un impensé majeur, il est celui du bien-être de l'enfant. Et on évoque de plus en plus les questions de harcèlement scolaire à l'école. Harcèlement scolaire. C'est une espèce de... Enfin, ce sont des phénomènes très violents et qui sont graves pour les enfants. Nous, on a essayé d'approcher les enjeux de bien-être des enfants de manière un peu plus large. On constate des lacunes sur les modalités d'approche de ce sujet. En revanche, ce qu'on a pu voir, c'est que les enfants ont de manière croissante, ont de moins en moins confiance en leurs professeurs à mesure qu'ils grandissent. Oui, c'est là où ça m'intéresse, parce que ça, je reviens à ma question initiale, hein, pardon, mais c'est le lien entre professeurs, effectivement, enseignants et élèves. On voit bien que ça se dégrade. Certains parlent de manque de respect, d'autres parlent de différence d'approche, peut-être de pédagogie nouvelle. Vous évoquez aussi ces pédagogies qui sont différentes dans ce livre, sur le chapitre, encore une fois, de l'éducation, mmh. où, effectivement, la place de la pédagogie a une importance toute particulière, en fonction des pédagogies choisies, ou surtout en fonction de l'absence, mmh. justement, de pédagogie. Donc on voit une vraie différence qui s'opère. Moi, je ne suis pas capable d'évaluer à quel point le rapport des enfants vis-à-vis de leurs professeurs s'est transformé sur les dernières décennies. Je ne pense pas que nous ayons la donnée pour corroborer des spéculations d'une transformation radicale du changement de rapport des enfants à leurs professeurs. Je pense par ailleurs que il me semble que la perspective centrée sur l'autorité qui est portée à certains endroits se trompe d'enjeux et de cibles quand on parle de 40% des jeunes filles qui n'ont pas confiance, enfin qui ont confiance en leur alors laissez-moi retrouver la statistique exacte. 70% des jeunes filles, des élèves de 13 ans, femmes, filles, ont confiance dans leurs professeurs. Elles ne sont plus que 40% à 15 ans. Et les 70%, c'est à quel âge ? À 13 ans. Donc il y a une dégradation forte, nette, de ce rapport de confiance à l'adulte. Et que vous expliquez comment, sur les 2 ans ? Moi, je ne suis pas capable de l'expliquer, il m'interpelle. Et je pense que ça devrait interpeller. Enfin, à mon avis, je pense que les professeurs sont les premiers à faire face à ces difficultés-là, la communauté éducative dans son ensemble. Et ça appelle un travail collectif avec, au premier rang, la communauté éducative autour du travail d'un lien de confiance avec les élèves et les enfants. Et oui, lien de confiance avec, effectivement, élèves et enseignants. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous ressentez dans le secteur de la petite enfance, Elisabeth Laitier aussi, ce lien, mais pour le coup, ce n'est pas entre élèves, bien sûr, et enseignants, mais plutôt entre la famille et tous ceux qui vont opérer ce travail, effectivement, du secteur de la petite enfance. Alors, je ne dirais pas une dégradation du lien parce que pendant très très longtemps, en fait, il n'y en a pas eu quasiment. C'est-à-dire qu'on déposait l'enfant à l'entrée de la crèche et c'est tout. Alors qu'aujourd'hui, il y a toute une marche en avant qui est en train de se faire et c'est vraiment très bien de pouvoir, je veux dire, que les parents puissent entrer dans la structure et qu'il y ait effectivement un lien qui se forme autour de l'enfant entre les professionnels et les familles. Donc là, si vous voulez, on est en construction. Il n'y a pas eu dégradation, il n'y avait pas grand-chose et on est en train de construire. L'inverse, effectivement, du primaire au secondaire, où beaucoup d'enseignants disent que, justement, il y a trop d'intrusion des familles dans le projet pédagogique proposé par les enseignants. Marie Plat. Sur ce point-là, sur le rapport à la famille, pas un sujet. Enfin, je vais être claire sur les sujets que nous on a explorés. On s'est assez peu penché sur le lien à la famille et on a essayé de penser beaucoup plus le lien entre l'enfant, l'élève
et l'éducation. Mais vous les évoquez quand même, puisque je l'ai lu il y a encore quelques minutes. La santé mentale des jeunes est impactée aussi, et ça vous en parlez, vous y consacrez un chapitre entier. Comment l'école est devenue un lieu de mal-être, selon vous? C'est la problématique des devoirs, c'est le manque de soutien, ressenti, hein, je parle, des professeurs. Qu'est-ce qui fait défaut? La pression? On n'a pas, à ma connaissance, de données, enfin je reviens à ce truc-là, on n'a pas de données sur le temps long qui nous permettent de justifier d'une dégradation. En revanche, on constate que c'est un lieu où il y a du mal-être et que ce mal-être n'est pas pris à bras-le-corps et on ne voit pas une... pour revenir un peu plus tôt, vous m'interrogiez sur les préoccupations des enseignants, sont-elles légitimes, et sur leurs conditions de travail, etc. Moi, ce que je trouve préoccupant, c'est que les interrogations sur les conditions de travail qui ne sont même pas, qui sont radicalement dégradées, ne permettent pas de s'interroger sur les modalités d'enseignement. Sont-elles à la hauteur des attentes des élèves? Leur permettent-elles réellement de s'épanouir? Aujourd'hui, ce débat-là n'a pas lieu avec l'ensemble de la communauté éducative ni les pouvoirs publics. En revanche, il y a un débat alors, qui est depuis quelques mois maintenant, et notamment lancé par Amélia Oudéa-Castéra avec l'affaire Stanislas, on appelle ça comme ça maintenant, l'affaire Stanislas, entre le privé et le public. Est-ce que on doit s'alarmer de la concurrence du privé dans le secteur de l'éducation? Je pense que c'est fondamental d'avoir au moins deux points à l'esprit. L'école publique et l'école privée sont sous contrat, sont toutes les deux financées par de l'argent public. Dans le même temps, sur les 15-20 dernières années, la part des enfants issus de familles à fort capital culturel a augmenté de 40% dans le privé sous contrat. Ça veut dire que la quasi-totalité... Et en même temps, la composition sociale... des écoles publiques est restée stable. Ça veut dire que la quasi-totalité de la hausse des familles à capital culturel est venue se reporter sur l'offre privée d'enseignement primaire et secondaire. C'est préoccupant à plusieurs égards. Ça veut dire qu'il y a des familles qui choisissent de plus en plus de retirer leurs enfants de l'école publique pour les mettre dans une école privée. À mon sens, l'enjeu, il n'est pas d'aller pointer du doigt les familles, il est plutôt de s'interroger sur... Où on met les moyens. Pourquoi ces familles font-elles ce choix? Et pourquoi finance-t-on autant une école qui accueille majoritairement ou plus largement des enfants de familles à fort capital culturel? Ce qui est important, c'est l'acquisition des connaissances. Et alors, on dit quelque chose qui est... Il y avait peut-être un cliché, là, justement, où vous levez ces préjugés. Dites, avec le collectif, l'acquisition des connaissances ne semble pas différer selon la scolarisation dans le public ou dans le privé sous contrat. On sort avec le même bagage selon qu'on est dans le public ou dans le privé. C'est rare de l'entendre, ça fait du bien. Oui. Mais, la valeur ajoutée de l'école, elle est... il y a plusieurs choses. D'une part, de nombreuses études démontrent que la mixité sociale à l'école, elle est facteur d'épanouissement pour les élèves. Elle ne vient pas dégrader la qualité de l'acquisition des connaissances ni de leur épanouissement. Et la valeur ajoutée de l'école publique est souvent supérieure à celle des écoles privées, puisqu'elles viennent compenser des écarts plus importants vis-à-vis de familles qui seraient plus défavorisées. Donc oui, l'école publique remplit un rôle... l'école remplit un rôle majeur, l'école publique en particulier, et plus on laisse les conditions d'exercice des enseignants et de l'école publique se dégrader, et plus la possibilité ou l'attrait de la sécession au sein du privé se fait grandissante. Si on parle de l'acquisition des connaissances qui effectivement ne diffère pas selon le public ou le privé, en revanche, de nombreuses politiques éducatives ont été menées afin d'améliorer effectivement ce que vous appeliez, et ce qu'on appelle tous, la mixité sociale ou la mixité scolaire, qui sont deux choses pas tout à fait identiques mais similaires, notamment avec la carte scolaire. Il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites. Est-ce que vous partagez l'idée
l'arrivée de l'ancienne ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, qui dit que malgré tout, des ghettos se sont formés et qu'on fait face à un séparatisme scolaire. Je pense que je suis beaucoup moins experte que la ministre, enfin, l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem. Toutefois, je pense... Moi, je trouve frappant de constater, géographiquement, il est probable, d'une part, le poids de l'origine sociale dans les trajectoires sociales en France ne se dément pas, ne décroît pas. Et donc ça, malheureusement, on arrive. Ça n'est pas enrayé par le service public offert. L'existence de ghettos ou donc d'espaces géographiques où il y aurait une concentration de capital social culturel et qui favoriserait certaines familles, ça me semble assez peu étonnant. Mais l'important là-dedans, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que l'école de demain garantit réellement une démocratisation et un égal accès à l'ensemble des enfants au savoir et aux trajectoires de leur choix. Et aujourd'hui, je pense que ce débat est insuffisamment posé. En tout cas, on le pose, je vous assure, quotidiennement ici sur School TV et on continue de le faire. Je vais revenir sur le secteur de la petite enfance avec Elisabeth Laitier. Lorsque vous entendez effectivement toutes ces informations sur, pour le coup, le secteur primaire et secondaire, cette idée effectivement qu'il est assez compliqué à la fois pour les parents de s'y retrouver dans la logique de est-ce que je choisis le public, est-ce que je choisis le privé, à la fois sur les professeurs, les enseignants de se dire de continuer à maintenir cette vocation, cette envie d'aller, heureusement, beaucoup continuent d'y croire et de s'investir, mais enfin, on voit bien que les conditions sont quand même très dégradées. Est-ce que, lorsque vous entendez tout ça, vous faites un parallélisme tout à fait étroit avec le secteur de la petite enfance, ou est-ce totalement différent ? Pardon. Alors, c'est totalement différent dans le... Enfin, c'est totalement différent et très voisin par certains côtés. Alors, je m'explique. C'est totalement différent dans le sens où, comme je vous le disais, jusqu'à présent, il n'y avait aucun service public de la petite enfance, c'est-à-dire que les maires, comme les autres institutions, n'avaient absolument aucune obligation de construire des structures d'accueil pour les tout-petits. Hein, aucune. Ce qui explique une grande disparité entre les territoires, une grande disparité également au niveau sociologique. Il n'y avait absolument aucun égal accès de l'enfant, comme Madame l'a très bien rappelé, on peut le lire dans le préambule de la Constitution. Donc, la mise en place à partir du 1er janvier 2025 du service public de la petite enfance a pour but précisément de pouvoir offrir à toute famille qui en fera la demande une solution d'accueil, quel que soit le territoire sur lequel elle se trouve. Il y a des territoires qui sont en grande déshérence en France. Il n'y a pas de crèche, il n'y a pas d'assistante maternelle, quel que soit le niveau social de la famille, et quel que soit, c'est très important aussi, l'enfant. C'est-à-dire, ce peut être un enfant porteur de handicap, ce peut être un enfant allophone, ce peut être, je veux dire, tout type d'enfant. Bon, tout ceci aujourd'hui n'existe pas. Hein, alors ça peut exister dans certains territoires, mais le but de ce service, si vous voulez, est de vraiment faire en sorte que tous les enfants puissent avoir accès, si les parents font la demande, bien évidemment, à une solution d'accueil. Oui, on le sait aujourd'hui, la réalité, elle est quand même assez claire à peu près pour 90% des parents. C'est-à-dire que quand on a un enfant, il faut l'inscrire environ 3 ans avant, donc dès en fait sa naissance, il faut pouvoir l'inscrire éventuellement dans une crèche. Donc on imagine la complexité, si vous voulez, pour les parents de pouvoir trouver des moyens de garde. Est-ce que, avec en plus tous les scandales qui sont sortis récemment sur les crèches, sur les différentes enquêtes qui sont parues, enfin, je me demande, est-ce que le gouvernement a suffisamment pris en compte cette situation dramatique à la fois pour les familles et pour les personnels de crèche? Oui, alors effectivement, il y a eu ce drame de la petite qui est décédée il y a 2 ans,
hein, dans une crèche à Lyon, qui a fait un petit peu, j'allais dire, a produit une déflagration et qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement, je pense, hein, a pris la mesure de l'état de la situation. Pour cela, il a donc, d'une part, diligenté un certain nombre d'enquêtes qui sont en cours, hein, et qui sont menées par les inspections générales, que ce soit des finances, que ce soit de l'action sociale. Il a installé le comité de filière petite enfance, alors que je préside par ailleurs, et qui a pour but de travailler à la revalorisation des professionnels de la petite enfance, de manière à enrayer le départ. Madame parlait tout à l'heure des enfants qui se trouvent sans professeur, hein, ou sans maître en face d'eux à la rentrée ou au retour de vacances. Bon, il faut savoir qu'au niveau de la petite enfance, il manque aujourd'hui approximativement 10 000 professionnels auprès des enfants. 10 000 professionnels. Et ça, c'est pour l'accueil en crèche. Et pour les assistantes maternelles, il faut savoir aussi que la moitié d'entre elles sera partie en retraite en 2030. Donc demain. Et si vous voulez, donc ce comité de filière a pour but de travailler, de trouver les outils nécessaires pour revaloriser et financièrement et l'image, la profession de petite enfance, enfin toutes les professions de petite enfance. Dernière réaction par rapport à l'annonce du gouvernement de revalorisation salariale de 100 à 150 euros par mois avec une prise en charge à 66% par la CNAF pour les professionnels de la petite enfance. Ça suffira, vous pensez, à faire renaître des vocations ou en tout cas à être attractif pour le métier? Écoutez, c'est un début. C'est, je pense, un bon début. J'étais lundi soir à Montpellier, dans l'Hérault. J'étais invitée justement par l'Association des maires de l'Hérault pour leur présenter le plan à venir du service public de la petite enfance, dans lequel se trouvent ces revalorisations salariales. Les gestionnaires qui étaient là, les élus qui étaient là, étaient satisfaits. Après, cela veut dire aussi que les communes, les gestionnaires devront mettre au bout de ces 66%. L'État va abonder 66% des 100 ou 150 euros et les communes et les gestionnaires devront mettre au bout. Mais je pense que aujourd'hui, c'est un effort collectif de tout le monde si l'on veut sortir de la situation dans laquelle on se trouve, qui fait qu'il y a aujourd'hui 150 000 femmes, je dis femmes parce que ce sont elles généralement, qui ne peuvent reprendre un travail parce qu'elles n'ont pas de solution d'accueil. Voilà. Donc il faut que tout le monde se mette autour de la table pour y arriver. Merci beaucoup, merci Elisabeth Laitier d'avoir été avec nous, d'être rapporteure générale de la concertation territoriale sur la mise en place du service public de la petite enfance et Marie Plat, co-coordinatrice de ce rapport sur l'état des services publics paru aux éditions de l'Équateur. Merci à toutes les deux. Merci. Je vous conseille donc la lecture de ce livre pour voir où on en est. C'est pas Jojo, mais ça va aller. Et merci beaucoup Elisabeth Laitier, on y croit. Merci, on marque une courte pause, à tout de suite. De retour dans le grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Cécile Bicari. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le Grand JT. Avec Loïc Landron, on est ravis de pouvoir parler de votre livre « C'est ton argent, que vas-tu en faire ?» paru aux éditions Helvétique. Alors c'est vrai que le rapport à l'argent et les Français est un peu compliqué, je dirais même difficile. Alors pour aller plus loin, le rapport entre les parents, les enfants et l'argent, alors là, devient vraiment complètement abstrait. C'est pour ça que vous avez voulu faire un livre sur ce sujet ? Oui, absolument. Je pense que c'est un sujet qui reste compliqué, qui reste un peu tabou aussi. Et aussi culturellement, c'est vrai que d'un endroit à l'autre, on voit des différences. Et du coup, c'était pour essayer de donner un support aux parents pour en parler avec leurs enfants, tout simplement. Oui, pour en parler, parce que l'argent, bon, évidemment, ça sert à acheter des choses. Ça, ce n'est pas une surprise, mais ça ne sert pas qu'à ça, l'argent. Est-ce que c'est une façon aussi de pouvoir redonner ces lettres de noblesse, finalement, à ce qu'est l'échange, la monétisation ? Oui, absolument. C'est un peu pour repenser le rôle de l'argent dans nos vies, le rôle de l'argent dans le monde. Et puis, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Et se sentir acteur par rapport à nos choix financiers, savoir quelles sont nos options et comprendre aussi que tous nos choix ont des impacts. Donc, être sensibilisé par rapport à tout ça
et en connaissance de cause, du coup, pouvoir prendre des décisions qui nous paraissent être les bonnes décisions. Quelle est la première question que pose un enfant lorsqu'on parle d'argent? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'argent? Pourquoi il faut monétiser, par exemple? Pourquoi on ne pourrait pas seulement échanger? Je pense que les enfants se posent beaucoup de questions. Alors souvent, c'est comment on fait pour gagner de l'argent? Comment on sait si on est riche, si on a assez d'argent? Est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour être heureux? Qu'est-ce qu'on peut en faire de cet argent? Et je pense que pour essayer d'éviter de rentrer juste dans une discussion sur dépenser ou épargner, c'est intéressant de leur montrer à ces jeunes qu'il y a plusieurs options qui existent et qu'il y a plusieurs questions à se poser en fonction des différentes options. Loïc Landreau. Et là où c'est important aussi, c'est que pendant longtemps, les enfants n'ont pas la notion de l'argent. C'est-à-dire qu'ils arrivent à la maison, les courses sont faites, on leur achète des habits qui sont déjà là, ils ne nous voient pas acheter. Et donc du coup, ils ont peut-être l'impression que ça vient tout seul. Et d'un coup, c'est une façon de leur dire « Non, on travaille, on gagne de l'argent pour s'offrir tout ça ». Oui, et d'autant plus que maintenant, on vit dans un monde où l'argent est devenu complètement digital. Donc, alors qu'à l'époque, au moins, ils avaient la notion de l'argent parce qu'ils voyaient l'échange d'argent, de monnaie, de billets. Au jour d'aujourd'hui, on paye avec nos téléphones portables, on paye avec nos cartes. Et donc vraiment, c'est complètement invisible. Et c'est vrai que du coup, même s'ils commencent à développer une conscience de l'importance de l'argent dans la vie, parce qu'en effet, c'est comme ça qu'on sort d'un magasin avec quelque chose dans les bras, sous le bras, ils n'ont pas forcément encore de notion très concrète de d'où ça vient et qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors bien sûr, vous le disiez, hein, ce sont les bases pour pouvoir discuter de l'argent et du principe à quoi ça sert l'argent avec nos enfants, en dehors bien le fait de travailler, de gagner son argent, d'épargner, d'investir, de donner, etc. C'est aussi l'influence que ça a sur sa propre vie, mais surtout sur celle des autres. Comment vous abordez ce principe du choix que l'on fait par rapport à l'argent que l'on a et que l'on va dépenser? En fait, pour moi, c'était important aussi de penser au fait que quand on essaye d'aborder toutes ces questions liées à l'argent, on est bien sûr dans une démarche d'éducation financière, mais c'est pas une thématique qu'on peut aborder sans réfléchir au rôle de l'argent dans le monde au sens plus vaste et à l'impact que ça peut avoir. Et donc, ce que j'ai essayé de concilier dans ce livre, c'est des notions aussi de développement durable et quel est le rôle que l'argent peut avoir pour aussi créer le monde dans lequel on veut vivre. Chaque fois qu'on prend une décision financière, ça a un impact, que ce soit quand on consomme quelque chose ou quand on décide d'investir d'une manière ou d'une autre. Et donc, du coup, on peut déjà réfléchir à l'impact de ces choix dès le plus jeune âge, en fait. Et c'était pour essayer de ne pas dissocier l'argent et les questions d'argent de l'impact global que ça peut avoir sur la société ou sur la planète. Qu'est-ce que vous diriez aux parents qui sont confrontés à des enfants qui leur demandent toujours d'acheter des choses? Ah, mais achète-moi ci, moi je veux ça, etc. Est-ce que vous leur dites, il faut être clair et dire non parce que ça coûte de l'argent et que l'argent a une valeur? Ou vous leur dites, allez-y, achetez en parlant? C'est quoi votre position sur ce sujet-là? Alors, je dirais que c'est toujours, bien sûr, d'essayer de comprendre que bien sûr, intuitivement, on a des besoins, on a des envies, et quand tout paraît simple, les enfants ne vont pas comprendre leurs propres limites. Donc, il y a les limites qu'on peut se mettre personnellement en se posant les bonnes questions. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Parce que, bien sûr, il va y avoir un petit sentiment d'euphorie au moment où on achète quelque chose de nouveau, mais dans le temps, est-ce que cet objet va vraiment servir? Est-ce qu'en avoir forcément toujours plus, ça va vraiment nous rendre plus heureux? Donc ça, c'est les questions qu'on peut se poser pour soi-même. Et après, il y a les limites qu'on a au niveau planétaire. Quand on consomme, plus on a un impact sur l'environnement. Et donc, comprendre que chaque fois qu'on fait le choix d'acheter quelque chose, ce quelque chose a été fabriqué, il y a eu l'utilisation des ressources naturelles. Et donc, quelque part, on participe à l'utilisation de ces ressources naturelles. Donc, est-ce que c'est quelque chose dont on a forcément envie de toucher toujours à ses limites? Et du coup, on peut amener les enfants vers plein d'autres solutions alternatives. On peut leur parler de partage, on peut leur parler d'acheter de l'économie circulaire, d'acheter des choses... plaisir, alors, là-dedans. D'acheter à chaque fois quelque chose de nouveau. Et la notion de plaisir, alors, là-dedans, finalement, parce que en disant aux enfants « non, on n'achète pas parce que », on leur coupe aussi un petit peu ce plaisir de se faire plaisir. Pas forcément. Je pense qu'on leur donne plus de dimensions intéressantes sur lesquelles ils doivent être un petit peu sensibilisés aussi. C'est la dimension du temps, tout ça, par exemple. Le plaisir, il peut être très immédiat,
mais dans la durée, est-ce que ça va vraiment leur amener autant de plaisir que ça? Si c'est quelque chose qui va leur servir pendant très longtemps, ils vont peut-être privilégier cet achat par rapport à un autre, mais si c'est pour tomber dans de l'achat compulsif pour le plaisir immédiat, peut-être que c'est quelque chose d'un point de vue comportemental qu'on peut aussi leur apprendre à gérer eux-mêmes. Et puis de comprendre justement que bah, le plaisir, il est pas toujours c'est pas toujours le plaisir qu'on ressent en soi-même, mais c'est aussi le plaisir de partager, de savoir qu'à travers ces choix, on a eu des impacts plus ou moins négatifs. Et si les impacts peuvent être positifs, ça participe aussi à la satisfaction sur le long terme. Alors, en fonction des cultures, Cécile Vicary, de là où on travaille, de l'endroit où l'on vit tout simplement, ou notre religion, eh bien, on a des croyances par rapport à l'argent. Par exemple, les enfants se disent toujours, mais souvent, est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour être heureux? Qui est quand même une phrase, une question qui revient souvent. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, c'est une thématique qu'on a abordée, bien sûr, dans le livre aussi, parce que je pense que l'aspect un peu philosophique de l'argent, c'est aussi important pour les enfants. Donc, il y a deux choses à ce niveau-là. En fait, il y a le fait que, comme vous le dites très justement, il y a l'aspect culturel et nos croyances qui sont très liées à notre environnement, l'environnement dans lequel on a grandi. Donc, ça peut être les croyances de nos parents, de notre culture, notre religion, qui vont nous amener à avoir un rapport à l'argent qui va être plus ou moins positif ou négatif, donc des gens qui vont penser que l'argent c'est très important pour être heureux ou c'est quelque chose au contraire qui n'est qu'une source de problème ou quelque chose de très précieux auquel on doit faire attention mais qui est un peu stressant du coup. Donc voilà, il y a tout ce cadre un petit peu dans lequel on grandit. Et puis après du coup, ces croyances, elles nous influencent pour le reste de notre vie, en fait. Donc, c'est important de savoir qu'autour de l'âge de 7 ans, ces croyances, elles se forment déjà inconsciemment pour les enfants. Et souvent, c'est aussi parce que les discussions dans le cadre familial sont un petit peu biaisées par ces croyances qui existent et on n'a pas forcément une discussion ouverte sur les sujets. Mais si on peut prendre conscience qu'on est déjà influencé et comprendre qu'il y a plusieurs manières de plusieurs perceptions de l'argent, on peut aussi développer une relation plus saine par rapport à tout ça, sans que ce soit quelque chose de positif ou négatif, mais c'est juste un outil qui nous permet de faire des choses, et donc on peut être un peu plus acteur de sa vie. Alors, il y a une page 43, que se passe-t-il en toi quand tu dépenses de l'argent? Et là, on parle de sérotonine, de dopamine, de cortisol. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? Parce que je pense que tout le monde va s'y retrouver, petit ou grand. Petit ou grand. je pense qu'on est tous sujets à... Enfin, c'est quelque chose qui nous impacte à n'importe quel âge. Et l'idée, c'est de se dire que si on prend conscience de ce qui se joue en nous aussi au niveau hormonal, on peut aussi comprendre les mécanismes qui sont en place et qu'est-ce qui va nous pousser à prendre une décision à ce moment-là, d'acheter quelque chose ou peut-être de retarder la discussion. La page suivante, c'est d'essayer d'aider les enfants à se dire « Ok, mais je pourrais me poser quelques petites questions avant d'agir sur cette impulsion. » Et peut-être tout simplement, si demain j'y pense plus, ça veut dire qu'en fait, c'est passé et ça, c'était pas si important pour moi. Alors qu'en fait, à l'inverse, si demain j'y pense toujours, bah peut-être qu'en effet, c'est quelque chose que je souhaite vraiment et que ça vaut la peine de dépenser son argent. Soyons clairs, effectivement, questions qui sont posées juste après. Hein. 1. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? 2. Est-ce que cet achat me rendra heureux ou heureuse longtemps? 3. Est-ce que le prix me semble raisonnable? 4. Est-ce que j'ai assez d'argent? 5. Si je n'achète pas, pourquoi d'autres pourrais-je utiliser mon argent? Dans 90% des cas, on répond non, ou ça ne sert à rien, ou il faut que je me réfrène. Oui, voilà, c'est des petites checklists. En fait, l'idée, c'est de se poser les bonnes questions, que ça devienne intuitif, et que du coup, après, quand on fasse des choix, eh ben, on ait confiance en soi, parce qu'on sait qu'on s'est posé les bonnes questions, et on peut y aller. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ça dépend vraiment du contexte, mais c'est juste un petit peu une manière de s'assurer qu'on s'est posé les bonnes questions, tout simplement. Mais la meilleure façon, honnêtement, c'est de se dire j'attends jusqu'à demain, et Si demain j'y pense toujours, c'est déjà un bon signe. À l'heure où le passeport Éduc-Fille fait son entrée à l'école, où les enfants vont apprendre effectivement à gérer, ou en tout cas ce que veut dire argent, investissement, épargne et autres, eh bien il y a aussi ce livre donc que vous pouvez acheter, C'est ton argent, que vas-tu en faire, paru aux éditions Helvétique. Merci beaucoup Cécile Vicary, vous êtes l'autrice de ce livre, merci d'avoir été avec nous. On cite aussi l'illustratrice Nayade Lacolon qui a travaillé sur ce livre. Merci mille fois d'avoir été sur Le Grand JT. Merci.
On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans son écolier. Cette semaine, son invité est le rugbyman Johan Huget. Tu as été rugbyman. Est-ce que plus jeune, il y avait un autre métier qui te faisait rêver? Non, j'arrivais pas. Tu sais, quand tu arrives en septembre, tu dois remplir une feuille, nom, prénom, profession des parents. Est-ce que ton futur métier, je ne savais pas quoi mettre. Ah, tu n'avais aucune idée? Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Si tu te poses la question, tu ne te dis pas si je n'avais pas été rugbyman, j'aurais été. Tu n'as aucune idée du plan qu'aurait été ta vie? Non. Peut-être dans l'immobilier, parce qu'aujourd'hui, grâce au rugby, j'ai pu faire pas mal de choses dans l'immobilier. Et c'est quelque chose qui me plaît. Mais sinon, avant le rugby, j'étais incapable de savoir. Je voulais juste travailler en extérieur. Et je pense que le plus important, c'est d'être libre. Et concrètement, le rugby dans ta vie, ça arrive à quel âge? 6 ans. 6 ans où tu te mets à jouer ou 6 ans où tu vas voir les matchs? 6 ans où je me mets à jouer. Je me mets à jouer parce que j'étais un peu rond à l'époque. Ouais. Maman cuisine très bien et du coup, elle me faisait du rougail saucisse. Ouais. Et donc, on mangeait bien et mon beau-père, à l'époque, il me dit, écoute, il va falloir que tu cours un peu. Hein. Donc, il faut que tu choisisses un sport. Je dis, le foot. Non, il faut que tu t'endurcisses un peu. Donc, il m'a amené au rugby. Et là, au rugby, ben, j'ai connu des garçons qui étaient en même temps à l'école avec moi. Et donc, par amitié, on s'est tous suivis. On se donnait rendez-vous le mercredi, le samedi. Et puis voilà. Il y a le centre de formation de Toulouse. Comment tu te fais repérer? En fait, je pars après le collège. Je pars en Pôle Espoir, qui c'est un mix entre le centre de formation et avant, tu as le Pôle Espoir, qui mixe entre la scolarité et le sport. Ça, c'est où? C'est à Toulouse aussi. Tu as plusieurs pôles en France. Et donc, je suis sur un process. Je pars en seconde générale. On a tout le process scolaire, donc 8h, 17h. Et à partir de 17h, tu t'entraînes jusqu'à 20h. Là, j'ai explosé en plein vol. C'est vrai? Ouais, c'était vraiment très dur pour moi. Très dur parce que j'étais coupé de tous les gens que j'aimais. Du lundi au vendredi, j'étais interne. Et le vendredi, je retrouvais mes coéquipiers en club que je n'avais pas vu de la semaine. Donc, il y avait quand même une cassure qui se faisait. Je ne les voyais plus le mercredi. Et j'arrivais juste le vendredi pour jouer le samedi. Tu t'es pas fait de nouveaux amis? En fait, on n'était pas tous dans le même club. Donc, on se dispersait le vendredi. Le week-end? Ouais, donc le vendredi, je m'entraînais. Le samedi, je jouais. Et le dimanche, j'étais retourné à l'internat, le dimanche soir. Donc, j'ai fait un trimestre comme ça. Après, t'as arrêté? Ben non, c'est qu'ils ont vu que j'étais en échec, tout simplement. Et c'est dur d'être... J'étais en échec sur le plan scolaire et sur le plan... Alors, le plan scolaire, ça ne me dérangeait pas trop. Oui. Mais c'est que mes performances sur le terrain n'étaient plus là. Et je dis, mais j'ai tout perdu, en fait. Alors que c'était vraiment ce que je voulais faire. Qu'est-ce qui se passe après un trimestre, alors? Après un trimestre, j'ai la chance que ma mère comprenne que je suis en difficulté, vraiment. Et avec le directeur du pôle Espoir, il décide de m'envoyer en centre de formation à Toulouse. Donc je saute cette étape et je pars directement en centre de formation. Et là, je retrouve un second souffle, c'est-à-dire que ma mère me prend un appartement. Donc à partir de 17 ans, je vis seul. Et c'est l'internat, en fait, qui te pesait? Et c'est d'être juste, de voir plus, je ne voyais plus personne de mon entourage, mes amis, ma famille. Et c'était très dur parce que derrière, j'avais aucune vie sociale. Tu vois? Mais le fait d'être en appartement, ça permet... Parce que les gens, il y a toujours cette distance géographique. Non, mais je voyais mes copains, mes amis du rugby la semaine. Là, je ne voyais plus personne, en fait. J'étais dans un lycée normal, sauf que le soir, je m'entraînais de 17 à 20 heures. Je mangeais, j'avais les devoirs jusqu'à 23h, 23h30. Le rythme n'était pas... Et du coup, c'est quel rythme à ce moment-là, alors? Quand tu as ton appartement... Quand j'ai mon appartement, je m'entraîne tous les matins, de 10h à 10h midi. De 2h à 4h, j'ai cours. Je m'entraîne et j'ai encore école de 18h à 20h. Mais c'est plus à l'aise, tu vois, c'était plus facile. J'étais vraiment dans le club, au Stade Toulousain. On était 4 élèves ou 5 élèves par cours.
C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Johan Huger, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Vous avez eu l'idée, dans la foulée des marches pour le climat, est-ce que Greta Thunberg est une enfantiste quand elle accuse le monde adulte au nom des générations futures ? Oui, totalement, totalement. Et les militantes et militants adolescents et enfants, ils sont quand même assez nombreux dans le monde. Mais en France, eh ben, on en a très très peu. Il en existe heureusement, mais ils sont très peu connus. On leur donne très peu la parole. Voilà, on leur donne très peu la parole. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau mot, ce mot d'enfantisme, pour décrire la réalité que vous décrivez ? J'imagine que vous allez me dire oui, mais vous allez m'expliquer pourquoi. Oui, pour nous, on a besoin d'un mot, parce qu'en fait, si on nomme pas un mouvement, il n'existe pas. Et vous voyez, des associations qui luttent pour les droits des enfants, elles sont là depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, on se rend compte... Et on en parlera sûrement tout à l'heure, mais on se rend compte que les chiffres sont énormes, que ce n'est plus possible. Et malgré le combat des associations, on voit qu'il n'y a pas de mouvement pour les enfants en France. Et on fait des grandes marches pour l'écologie, pour le féminisme ou pour l'antiracisme. Il y a du monde dans la rue. Les Français, les Françaises se mobilisent. Mais quand on fait quelque chose pour les enfants, on est 30. Les stages de découverte obligatoires, c'est aussi une première porte d'entrée vers le monde de l'entreprise. Mais vous, vous avez fait le constat que déjà là, de grandes inégalités apparaissent, puisque l'accueil de ce jeune se fait principalement par ce qu'on appelle le network, le réseau. Tout le monde n'a pas forcément de réseau, notamment quand on a entre 15 et 16 ans. C'est là que vous avez souhaité agir avec votre association Toi Demain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà d'où vous vient l'idée et ce que vous faites aujourd'hui ? Oui, beaucoup de questions alors. Alors déjà... D'où, enfin, plutôt de comment c'est né. Enfin, déjà, le concept, on va parler avec du plaisir. Concept. Le concept, c'est vraiment permettre à chaque jeune de vivre une première expérience positive avec le monde de l'entreprise. Les jeunes, comme vous l'avez dit, souvent qui ont un réseau finissent par trouver un stage. Ceux qui n'ont pas forcément de réseau en trouvent un aussi, mais souvent dans leur quartier. Et ce n'est pas toujours forcément un stage qui ouvre des portes, qui ouvre le champ des possibles sur les possibilités des différents jobs qu'ils pourraient vivre plus tard. Ni forcément ce qu'ils veulent faire aussi après. Oui, alors, c'est un peu par dépit qu'ils choisissent le stage parce que... Par dépit, parce que c'est dans le quartier, parce que c'est pas loin, ouais. Parce que j'ai trouvé ça et cool, j'ai coché la date, la case, j'ai fait un stage. Ouais. Mais du coup, le fossé se creuse tout de suite entre les jeunes qui ont réseau et ceux qui n'en ont pas. Parce que forcément, j'avais lu un article qui était « Dis-moi ton stage de troisième, je te dirai d'où tu viens ». Je trouve ça très parlant. Ouais. Parce que cette phrase-là, elle coule de source. Coule de source, oui. Et c'est vrai que ceux qui n'ont pas de réseau, ils sont dans leur petit quartier, sur le stage qu'on appelle un peu kebab. Et ceux qui ont du réseau, ils vont dans des grands groupes, ils voient le monde de l'entreprise, la pluralité des métiers que ça offre, etc. Jean-Marie, quelles sont les préoccupations des élèves ? Est-ce que vous les voyez évoluer ? Alors, oui, les préoccupations des élèves, déjà, c'est de comprendre comment... Enfin, moi, donc j'enseigne à des masters en journalisme et je vois aussi des élèves en lycée, des élèves de première ou de terminale. Les préoccupations des élèves de lycée, puisque c'est eux qui m'intéressent le plus en réalité, c'est de comprendre le monde dans lequel ils évoluent. Alors c'est vrai que moi, je ne mets pas en place d'initiative particulière concernant les élèves. En revanche, je crois qu'ils sont très friands de comprendre et de voir des reporters qui rentrent de reportage, qui leur expliquent un conflit, qui leur expliquent une actualité, qui leur expliquent comment on fabrique une information, parce que c'est vrai qu'entre l'information et la désinformation, parfois, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est ça. En fait, ce qui les intéresse, c'est le monde tel qu'il fonctionne, tel qu'il avance, et tel qu'on peut l'expliquer sans leur dire ce qu'ils doivent en penser, c'est-à-dire leur donner les clés de compréhension. Le collectif, je le disais, il marche un peu sur deux pieds. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment lutte contre des violences assez terribles, vous avez donné les chiffres. Et puis plus généralement, c'est le regard que nous, on porte sur les enfants, et c'est de se mettre à hauteur d'enfant aussi quand on regarde le monde. Mais sur cet aspect des chiffres, on les rappelle. Oui, en France, aujourd'hui, c'est un enfant violé toutes les 3 minutes. C'est 200 enfants maltraités par jour. Un enfant qui meurt tous les 5 jours. Ce sont des chiffres qu'on ne peut plus, qu'on ne peut plus accepter. Quand on dit maltraitance, on ne parle pas de ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. On parle vraiment de maltraitance qui relève de... Violences physiques, psychologiques. Ces violences éducatives ordinaires, d'ailleurs, que recouvrent-elles ? Parce que c'est aussi un champ d'intervention, les VEO. Oui, et d'ailleurs, avant de préciser, j'en profite pour dire que les violences, qu'elles soient sexuelles, physiques, psychologiques ou éducatives, sont liées entre elles.
Si on parle dans l'actualité, on parle beaucoup d'inceste, mais les violences éducatives ordinaires ont un lien avec les violences sexuelles. Il y a un continuum. Voilà, il y a un continuum. Et d'ailleurs, au collectif Enfantiste, on a créé un iceberg des violences faites aux enfants sur le même modèle que l'iceberg des violences faites aux femmes. Et en fait, on voit à travers cet iceberg qu'il y a un continuum et que les violences éducatives ordinaires permettent que les violences sexuelles arrive. Et donc en haut, sur la face, la partie émergée, que je ne prends pas de mot, de l'iceberg, il y a donc les crimes, l'inceste, etc. Et quand on va dans la partie immergée, on a les violences éducatives, donc c'est l'humiliation, le dénigrement, la possessivité, et c'est l'adultisme ordinaire du quotidien qu'on voit comme le sexisme ordinaire, en fait. Voilà, violence explicite, on est en train de vous les montrer. C'est l'iceberg des violences faites aux enfants. Et puis le stage, c'est aussi un moyen pour tout le monde, votre association, comme vous, Alexandra, en tant que coach, de redonner aussi un sens à la scolarité de l'élève, j'imagine, de lui faire comprendre, de lui montrer aussi que tout ce qu'il apprend en classe, ça ne sert pas à rien, c'est à terme pour pouvoir utiliser toutes ces connaissances dans le monde professionnel. Il y a aussi cette partie-là que vous venez activer chez l'enfant. Oui, évidemment, on leur montre un chemin, on essaie de leur donner envie sur la suite. Et, ok, tu veux arriver là? Quand, à partir du moment où on est motivé et qu'on sait pourquoi on fait quelque chose, on déploie des moyens quand on a la capacité. Donc l'idée, c'est de leur dire, voilà, tu as vraiment envie d'arriver là, c'est de créer des petites étincelles, c'est d'aller déclencher un peu leurs rêves, etc., pour que derrière, ils mettent les moyens à l'école de les atteindre. Et peut-on parler de censure dans un pays comme la France, justement, lorsqu'il y a des intérêts financiers, par exemple ? Alors, je ne sais pas bien vous répondre là-dessus, parce que moi, aujourd'hui, je suis journaliste depuis 30 ans environ, et je n'ai pas été confronté à la censure. J'ai la chance de travailler avec des médias qui m'ont laissé faire, globalement, ce que j'avais envie de faire. Et je dirais que même, globalement, on me demande assez peu de comptes en général, c'est-à-dire qu'on me fait confiance. Après, de la censure, je pense qu'il peut y avoir, effectivement, une censure politique. Ça, c'est autre chose. Et on peut avoir effectivement, moi je le vis d'ailleurs en ce moment, j'ai eu récemment en fait une conférence qui a été annulée sur l'intervention d'un politique parce que je parle de l'Iran et que ce politique est probablement proche de l'Iran et donc ce que je raconte en fait le gêne. Donc cette censure-là, je pense effectivement en fait qu'elle existe aujourd'hui. Je pense qu'il y a aussi une volonté en fait de certains groupes politiques aujourd'hui d'imposer en fait un narratif aux journalistes. Donc, moi, vous voyez, ce que je vois aujourd'hui, c'est pas tellement la censure, en fait, au sein des médias, en tout cas ceux pour lesquels je travaille, j'ai jamais vu ça. En revanche, je vois qu'il y a le souhait d'imposer aujourd'hui un narratif aux journalistes, et que si vous le faites pas, ces politiques, en fait, vous clouent au pilori en général. Je pense qu'on le voit beaucoup, en fait, sur le conflit en ce moment qui se déroule à Gaza, avec les positions, en fait, de la France insoumise, moi, qui me paraissent assez honteuses, et qui essayent, en fait, tout de suite, comment dire, d'insulter ou de s'en prendre à des journalistes qui ne vont pas dire en fait comme eux ou qui vont simplement essayer de relater des faits. Voilà pour ma réponse. Donc après, chacun parle de son expérience parce que je pense que vous aurez des journalistes qui ont sans doute eu affaire à de la censure. Peut-être. C'est la fin de ce Grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Théo Boscard, le son Thibaut Gré-Lafont, le maquillage Taïe Sayad, Emma Ferret et Laura Girard à la rédaction. Roxane Sarfati aussi, qui est toujours derrière aux manettes, bien sûr. Et Loïc Landreau, merci beaucoup d'avoir été avec nous le mercredi. C'est sympa de vous avoir le jour des enfants aussi. À demain. Vous revenez demain. Du coup, je reste. Oui, parfait. Demain, vous avez déjà préparé votre chronique. Oui, ce sera sur la proposition de Najat Vallaud-Belkacem et ses 3 gigas d'Internet par semaine. C'est ça, c'est par rapport aux écrans. Exactement, donc on va décrypter un petit peu tout ça. Ok, merci beaucoup en tout cas, à demain, très belle soirée à tous. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation.